dépasser mon plan avec le vote, vous lui faites toucher la ligne! Oh, pardon, pardon! Écoutez, Blanche, ça n'a aucune importance! Regardez, mon pion, il touche un peu la ligne, ça me pose aucun problème! Bah, franchement, je sais pas comment vous faites. Allez tous vous faire enculer! Ah, maintenant, là, on joue! Bon, allez, Lily, le faubourg Saint-Honoré, on achète ou on fait du lèche-vitrine? J'achète, j'achète! Bon, bah alors c'est 300 euros, putain, heureusement que c'est moi qui fais la banque, hein. Sinon tout serait gratos avec vous. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Allez, un petit neuf et j'aurai la gare de Lyon. J'ai déjà la gare du Nord et la gare au Parnasse. Avec celle-là, ça m'en fera 3. Si jamais je mets la main sur les 4 gares, vous allez voir... Pardon, Bob. Vous allez voir comment ça va touiller. Ah, mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés à chaque fois comme ça. C'est pas hygiénique pour les autres. Ouais, ça va, hein. J'ai les mains propres, moi. C'est pas comme d'autres. Mais non, je déconne. Restez là, tout va bien. Allez. Trop petite, cette table. 6. Compagnie de distribution d'électricité. Oh, mon électricité. Tu me parles, si j'en ai rien à foutre de cette merde. Enfin, j'achète quand même. Allez, à vous, Fred. 11. Chance, chance. Rendez-vous à l'avenue Henri Martin. Si vous passez par la case départ, recevez 200 euros. Oui, je passe par la case départ. Oui, je reçois 200 euros. Et oui, j'achète l'avenue Henri Martin. Bravo, Fred, bien joué. Oh, vous savez, la chance. Le cul le fio. Ah bah ça, vous pouvez le dire. Hein. On n'a pas fait 2 tours que vous avez déjà raflé 5 grosses rues. Et comme le tour d'avant, vous êtes tombé sur la case départ, en plus, il vous reste encore plein de pognon. Hein. Ah, il est blindé, le Fred. Ah, j'imagine que vous savez combien j'ai exactement. 795 euros, vous êtes le plus riche. Ah. Finalement, ça a du bon, c'était rapide groupe. Hein. À vous, Blanche. Allez. Vous achetez ou pas? 60 euros, c'est pas cher, hein? Ah non, merde! Non, non, non! Pas quand c'est à vous de jouer! Vous irez vous laver les mains quand ce sera le tour à Bob! Juste une minute! Oh putain, c'est chiant à la fin! Oh, mais non, vous l'achetez encore plus, là! Mais ça casse le rythme, là! Oh, ça va, c'est pas grave, hein! Oh, ça va, c'est pas grave, hein! Moi, je suis désolée, hein, mais je trouve que le Monopoly avec les euros, ben c'est pas le vrai Monopoly! Vous vivrez avec son temps, ma petite dame, hein! Oh bah évidemment, pour vous c'est facile, vous comptez tout à la vitesse de l'éclair. Et pour ceux qui habitent tout au franc, vous bien c'est pas pratique quand même. Un franc, un euro égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 6,55, 957. Quand même, ils auraient pu faire plus simple. Mais vous savez, on n'est pas les plus mal lotis, hein. Regardez les Grecs, pour eux c'était l'enfer. Un euro égale 340 drachmes, 1,750. Et les Irlandais, c'est pas mieux, un euro égale 0,787 litres. Et les Espagnols, 1 euro égale 116 pesetas, 386. Et les Portugais... Oh, stop, arrêtez, hein. Vous m'avez saoulé avec vos chiffres. Eh ben merci, c'est sympa pour les Portugais. Ah, nous allons enfin savoir si la très convoitée rue Le Courbe va tomber dans votre escarcelle. Oui, j'achète. Allez. À toi, Bob. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un fils de ton âge. Pas de problème. 11. Avenue Foch, yes, je la voulais. Ouais, et eh ben, ça m'étonnerait parce que ça m'étonnerait que t'aies assez d'argent, hein. 300 euros, vérifie, mais d'après moi, il te reste que 210. Peut-être, mais je la veux. Mais pourquoi? Parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère avec ses deux contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Ben oui, elle part de l'Étoile et elle va jusqu'à la place Dauphine, je connais. Mais tu peux pas te l'offrir parce que t'as pas les ronds, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, Marie, à vous de jouer, on essaie de donner du rythme à la partie maintenant. Mais pas question, je veux l'avenue Foch et je l'aurai, voilà. Attends, mais après tout, c'est qu'un jeu, hein. Oh, puisque tu es en avant, tu dois bien savoir ça, non? Je veux l'avenue Foch, vous entendez, je la veux. Mais c'est quoi ce caractère, là? T'es cyclothermique ou quoi? Non, timique, timique. Si cela peut suffire à faire votre bonheur, je veux bien vous prêter les 90 euros qui vous manquent. Car comme le dit si bien Vincent, je suis blindé. Ah, moi aussi, je peux lui prêter.
Moi aussi, je vous les prête. Mais non, les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Ah, pas forcément. Je me souviens, quand on jouait avec les francs, eh ben, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. Et tu smaniques ? Ne le faites pas, hein. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la danse avec les stars, là? Bah, elle cherche avec du jeu. Bah, te casse pas, fils, hein. On va voter, c'est tout. Ok, alors ceux qui sont pour, lèvent la main. Et attendez! Là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir si on est tous d'accord sur prêter de l'argent à tout plateau de soit vendu. Et attendez! Là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir si on est tous d'accord sur prêter de l'argent à tout plateau de soit vendu. Oh putain, ça c'est le deuxième effet qui se coule, ça. Vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant. Non, d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Non, d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Oui, bah on est gentil, on essaie de faire des phrases courtes, là, faut pas casser le rythme. Ah, ça va, parce que si on peut plus parler, hein. Ah, ça va, parce que si on peut plus parler, hein. Vous faites remarquer que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Oh. Est-ce que vous aussi vous comptez? Y'a pas que moi! Ceux qui sont d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent, levez la main. Et ben quoi, sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Hein. Tenez, ah, merci. Attendez, je vous dois 10. Oh, on verra ça plus tard. Eh ben, regarde-moi ça, ça se rend même plus la monnaie maintenant, tiens. Ah, tiens, la voilà, ta carte verte. T'es contente? Très content. La bouche sur les miasmes. Allez, Marie. Compagnie des hommes, compagnie des hommes. Oh mon nom. Ah non, la fois qu'on mange, je pars, tout doit être inondé chez moi. Mais non, mais justement, si vous rachetez la compagnie, vous pourrez trafiquer la facture. Au mieux, vous aurez l'eau gratos. Hein? Et puis si vous voulez, à la fin, eh ben, je vous échangerai ma compagnie d'électricité, comme ça vous aurez les deux. Mais contre quoi? Bah, je sais pas, moi. Ah, bah tiens, contre votre rue de la paix, là, par exemple. Là. Oh, l'escroc. Allez, j'achète. Allez. On verra plus tard, hein. Allez. Surtout, pas de neuf, parce que la gare Saint-Lazare, elle aussi, elle est pour moi. 6. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Allez, à moi. Allez, un petit 3, et j'aurai ma carte de Lyon, chérie. Merde, 4. Avenue Mozart, 1756-1791. Mort à 35 ans. Ah putain, il aura pas fait de vieux os celui-là, tiens. Allez, j'achète quand même. C'est à moi. Oui, c'est bon, là, pour une fois qu'il y a du rythme. D'accord, allez. 9. Caisse de mes couilles. Oui, Fred, on avait tous rectifié. Mais non, mais c'est pas la peine de lire, hein, Fred. Avec le pot que vous avez, vous pouvez directement taper dans la caisse. Recevez votre revenu annuel sans vous. Tiens, mais qu'est-ce que je disais? Allez-y, servez-vous. Oh, c'est vrai que vous êtes vernis. Écoutez, vous savez, si j'étais marié, eh bien, je m'inquiéterais. Quoi, quel rapport? Non, laissez tomber, Sœur Thérésa, laissez tomber. Allez, à vous. Oh là là. 4. Chance. Merci. Allez en prison. Allez tout droit en prison. Avancez tout droit en prison et ne dépassez. Oh, ne passez pas par la case départ. Ne recevez pas 200 euros. Oh non. La prison, c'est dégoûtant. Je peux pas tirer notre cas. Ah bah non, non, vous avez joué, hein. Ah bah non, non, vous avez joué. Ah, attention, elle s'évade. J'allais juste ouvrir. Oh non, mais ça calme, là. Non, mais je fermerai retour, promis. Bon, ça qui est joué? Eh ben, au couillon qu'il demande. Oh. Allez. 5. Ah, c'est bon, je suis chez moi.
Caisse de communauté. Caisse de communauté. Caisse de communauté. La vente de votre stock vous rapporte 50 euros. Ben, c'est parfait, ça. Eh ben, donc, c'est un stock à base de crucifix ou quoi? Très drôle, alors. J'ai fait un double, je reviens. Compagnie d'électricité, oh compagnie non, d'électricité. Oh non, encore. Oh non, 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 si quelqu'un sonne chez moi, ça va être l'explosion, là, hein. Mais non, mais non, mais non. Par contre, si vous refaites un double, là, prison, hein. Parce que trois fois, prison. Allez. Allez. 7. Place Pigalle. Vous achetez ou pas? Certainement pas. Eh ben quoi, 200 euros, vous avez largement les moyens, là. Il vous reste 375. Mais c'est pas le problème. Mais regardez, vous avez déjà le boulevard Saint-Michel. Comme ça, ça vous fera deux oranges. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, non, mais si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour vous échanger l'avenue Mozart, hein, moi, les oranges, je m'en fous complètement. Hein. Moi, c'est les gares qui m'intéressent. Hein? Non, merci, je vous dis. Pardonnez-moi d'insister, Marie, mais je crois que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la roue de la paix, vous n'êtes pas trop en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison, il a raison, il a raison, il a raison, il a raison. Et ben quoi, ben elle était bloquée. Alors, Marie. Écoutez, tout à l'heure, Bob voulait absolument l'avenue Foch et il l'a obtenu, grand bien lui fasse. Eh bien, moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle. C'est mon droit, non? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'élire ce sabbat du stup ou de la luxure de la fornication. Je vais! Il me dégoûte! Je l'exècre! Voilà. Ça vous suffit comme explication? Putain, on vous demande pas d'y ouvrir des hôtels de passe non plus, là. Oh, ben Dieu merci! Quelle idée d'avoir placé Saint-Michel juste à côté de Pigalle, quand même! Ça va. Saint-Michel, il a terrassé le dragon, alors c'est pas trois putes qui vont lui faire peur. C'est ça? Oh, Marie! Si tu savais tout le mal. Seigneur, si vous aviez piqué votre créature, envoyez-lui un signe! Ah oh bah bravo le signe, hein. Sodome et Gomorre. Bon, Marie, vous voulez perdre? Vous savez, si je perds, je n'en ferai pas une jaunisse. Oh là là, la jaunisse, quelle horreur! En fin de compte, la jaunisse, c'est une maladie du foie, genre hépatite, qui provoque l'accumulation de la bilirubine dans le sang. Alors, pour le nourrisson, c'est pas très grave. Mais alors, pour l'adulte, ça peut être mortel. Ah ben c'est bien, on apprend des trucs avec vous, là. Elle nous a bien plombé ambiance, Marie Curie, là. Bon, Marie, écoutez-moi. Dans la vie, vous aimez gagner ou perdre? Ben, gagner, bien sûr. Eh bien, acheter la place Pigalle. Vous croyez? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Mais oui, c'est une table que tout le monde voulait. Pigalle, quand même! Alors, c'était pas un proxénète, Pigalle, hein? Non, c'était un type très bien, hein? Un excellent sculpteur de très bonne famille. Jean-Baptiste Pigalle. 1714-1785. Et c'est combien? Ah! Bravo! Vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. Bon, allez, j'achète. Mais c'est bien pour vous faire plaisir, hein? Parce que Dieu est témoin que moi. Mais oui, Dieu est témoin, il a tout vu, il a tout entendu, il est fier de vous. Allez. Allez. Il reste quoi, il reste quoi? Ben, les deux gars, mais rêvez pas, elles sont pour moi. C'est ça, c'est ça. Deux chances. Vous avez gagné les prix de mots croisés, recevez 100 euros. Vous allez gagner le prix de mots croisés, recevez 100 euros.
Bon, allez, à moi. Allez. Les petits gars, là, je vous ai jamais rien demandé, mais là, ils me font un 12. Alors, 6 et 6. Oh, mais allez-y, mettez la langue pour la douzaine. Ça va, hein, j'ai pas la gale non plus. Oh là là, la gale, quelle horreur! En fin de compte, la gale, c'est des petits parasites genre acariens qui poussent sous la peau et ça grouille là-dessus, ça grouille. Oh, qu'est-ce qu'elle a? On dirait le métro aux heures de pointe. Elle a pas l'air à la rousse médicale à midi ou quoi, elle? Pas du tout. Vous allez nous décrire toutes les maladies comme ça? Non, dites-le, parce que quand vous en serez à la pléno, eh ben moi j'irai pisser. Oh, vous n'allez pas dire uriner comme tout le monde? 12! Yes! 12! Yes! J'ai la guerre Saint-Lazare! Je paye et je rejoue parce que j'ai fait un double. Attends, ma petite garde de Lyon, chérie. Papa arrive! Papa arrive! Tchou-tchou! Cinéma! C'est vrai, Vincent, active un peu. Excuse-moi si je te tutoie, j'ai un père de ton âge. Ça me casse les couilles! Oh, bah, nous aussi, hein! Communauté. Eh ben, en espérant que Fred n'ait pas laissé que des merdes. Merci. Payer la note du médecin, 50 euros. Oh ben alors lui, il s'emmerde pas. Hein. Non seulement il nous fait lanterner comme des cons, mais en plus, il nous envoie la note. Au fait, on a des nouvelles? Non, je vais aller voir. Oh mais non, mais on s'en fout, là, on joue, là. Vous marchez super, hein, vous? Il ne reste plus que la gare de Lyon. Pas qu'on la mette aux enchères, comme ça on pourra construire plus vite. Ah ouais, non, pas question. Moi j'ai juste les ronds pour l'acheter. Si les prix flambent, je suis mort. Ah non. Oh, mais qu'est-ce que vous avez, les gares? Il n'y a pas plus sale comme endroit. Ah non, mais les gares, c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme, gare du Nord. Je l'ai demandée en mariage, gare Montparnasse. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, gare Saint-Lazare. Et on a fait le petit dernier gardodon. Il faut plus être dans les gares. Oh, ça va. On n'a pas fait ça dans la salle d'attente non plus. Les wagons-lits, c'est pas fait pour les chiens. Ah, alors? Non, toujours en rien. Allez, ouf. 11. Ah, yes, gare Montparnasse. Ça, c'est chez moi. Et maintenant, comme j'ai 3 gares, c'est 100 euros. Et tout à l'heure, quand j'aurai la gare de Lyon, ce sera 200 euros. Et à chaque fois. Franchement, je vois pas ce que tu trouves à cette gare de Lyon. Encore s'il y avait 2 tours de chaque côté. Là, je dis pas, mais là. Oui, bah tu verras ce que je lui trouve quand je l'aurai et que tu vas tomber dessus, fils. Attends, papa. Enfin, tu permets que je t'appelle papa, hein. Puisque tu sais compter, tu sais très bien qu'il y a 5 personnes qui vont jouer avant toi. La gare de Lyon, c'est mort, tu l'auras jamais. Tu mets un billet là-dessus? Ce que tu veux. Non mais attention, un vrai. Hein. Mais ok. Non mais attendez. Non. Si ça monte de niveau, ça va être trop compliqué. Hein. Non mais vous inquiétez pas, c'est juste un pari comme ça entre copains. Eh, 50 euros, ça va? Parfait. Ok. Non mais moi, je vous préviens. Si ça tourne au tripot, je m'en vais. Oh non mais ok, c'était stupide. On oublie, hein? On oublie. Ouais. Allez. À vous, Blanche. Ah non, moi je peux pas jouer, je suis en prison. Non, vous jouez, si vous faites un double, vous sortez. Mais de toute façon, pour vous, la gare de Lyon, c'est mort parce que vous devez faire 5 et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après, elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après, elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah bah oui, là, c'est bon. Hein. Mais si elle y arrive, moi, je me fais curer. Ah non, merci. L'église n'a aucun besoin de vous. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Faut pas croire, hein, mais nous, les taxis, on est comme une sorte de confesseur dans notre genre. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez étonné. Il y en a même qui ont gerbé aussi. Ah bon, ça, c'est une autre histoire. Eh ben, Dieu me préserve de me confier un jour à un taxi. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, rares sont les personnes qui comprennent mon problème.
Eh bien, un jour, j'ai pris un coup de bite. Je pouvais dire un taxi, évidemment. Au bout de 2 minutes, je l'ai insulté de tous les noms. Heureusement pour moi, la veille, il avait vu un reportage à la télé sur le sujet. Il m'a posé 1000 questions sur ma maladie, mais aucune n'était déplacée. Et nous avons eu une conversation tellement intéressante, du point de vue humain, que j'en étais arrivé à souhaiter qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Vous voyez, cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne normale. Non, je voulais, mais il a refusé. Oh putain, c'est marrant, hein. Moi c'est à ces moments-là, ça te donne envie de chialer, moi. Ah oh, bravo, très fort, hein. Il se lance le petit là. Bah ben quoi, c'est pour la consoler. Ouais, bien sûr. Personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé. Ah non, moi je trouve ça très mignon. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Allez, je joue. Allez, je sors. Sors. Quoi, c'est pas vrai? Vous avez posé les dés à la main ou quoi? Non, les affaires roulées, j'ai eu. Ah oui, les affaires roulées. Compagnie d'électricité, je suis chez vous, Vincent. Bah, tu pars si je m'en branle. 8 euros, tu pars. Vous en faites 4 euros, tout ce que je vous demande, c'est pas faire un 3. Mais pourquoi? Ça tirait bien, la soutane. Père Vincent, le sale patron des taxis. Amen. Alors ouais, c'est vraiment Jean qui rit, Jean qui pleure. 4. Putain, je suis pas passé loin de la soutane, moi, tiens. Hein? Allez, à vous. 12. Avenue de la République. Ah, je suis chez moi, Jean-Jou. Attention, papa, mais ce que tu vas voir risque de te faire très mal. Allez. 6, direct. Oh putain! Quoi? T'as vu la ligne là? Bah, quelle ligne ça? Bah là, sur la case là. La locomotive noire là. C'est comme une grosse ligne qui barre la case. Faut pas mettre son pion dessus, c'est pas bien. C'est comme. Oh là là, le caca, quelle horreur! Alors on fait le tour! Le caca! Oh non! En toute façon, c'est déloyal ce que vous faites là. Ah ouais, c'est vraiment nul hein. Oh ça va, on peut rigoler. Hein. Oh, ça va, on peut rigoler. C'est même pas drôle. Mozart m'aura 35 ans. Oh, vous l'aura pas fait de vieux os, celui-là. Oh, vous l'aura pas fait de vieux os, celui-là. Finalement, l'humour de taxi. Mais on en a la casquette, hein. Non, mais laissez-le, il peut faire son cinéma, ça m'impressionne pas du tout. Ah, 10. Dommage, j'aurais trop aimé te l'appliquer. Eh oui, mais tu peux pas lutter contre ça parce que c'est mag, hein. C'est écran tout petit, mais on peut pas lutter. En attendant, tu la payes parce que t'es chez elle. Combien je dois? Mais combien, vous avez de quoi? Ben, je suis chez vous, à Pigalle. Ah non, je vais pas commencer cette histoire, hein. Pigalle, 16 euros. Ah, tenez. Non, merci, je n'en veux pas garder votre argent. Oh, si tout le monde pouvait être comme vous dans le quartier. Ah, ce serait le rêve, hein. Chance! Attendez. Ma carte! Oh putain! Vous devez vous convertir à l'islam. Va aller à moi. 5 dégominotés.
communauté. Allez, à moi. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Ah, pardon. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Ah, pardon. Payer une amende de 10 euros ou tirer une carte chance. Payer une amende de 10 euros ou tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Franchement, je ne sais pas. Mais 10 euros, c'est pas la ruine, hein? C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, à moi. Non, attends. Après tout, c'est qu'un jeu, et puis il faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Qu'est-ce que j'ai? J'ai une tache? Non. Je me demandais si je payais une amende de 10 euros ou si je tirais une carte chance. Non. Je me demandais si je payais une amende de 10 euros ou si je tirais une carte chance. Bon, allez, à moi. Une seconde. Oh, putain. Lily, tirer une carte chance, qu'est-ce que t'as à perdre? Ok, c'est parti. D'électricité, 285 euros, voilà. J'ai plus rien, vous êtes content? Moi, j'appelle pas ça de la négociation, j'appelle ça du racket! J'ai enfin pu avoir l'aéroport! Et alors? Alors, son avion a bien atterri à Roissy, mais il est bloqué sur l'aire d'autoroute à cause d'une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle! Oh, ça fait chier! Ben là, il n'y a pas que vous, Fred, là, ça fait chier tout le monde! Fait chier! Concrètement, ça veut dire que le docteur ne viendra pas aujourd'hui! C'est ça! Mais si, madame, il viendra, mais pas avant 1 heure ou 2! 1 heure ou 2! Oh, c'est lamentable de traiter des gens comme ça, des patients en plus! 1 heure ou 2! Vous voyez, madame, le docteur est navré de ce contretemps, mais. Ah, parce que vous appelez ça un contretemps! Non mais sincèrement, moi j'appelle pas ça un contretemps, j'appelle ça une honte. On ne donne pas des rendez-vous aussi importants à 6 personnes en même temps quand on arrive au dernier moment, et de l'étranger en plus. Avec ce genre d'organisation, il n'y a pas de place pour la moindre couille. La preuve, tout ça comme des cons, là. Je te la tire. Ouais, tout vite de merde. Ah bah bravo, hein, Bob, hein. Pour la symétrie, je vais dire, tu repasseras. Oh, de toute façon, t'as raison, c'était pas la peine de terminer, je vous aurais tous plumé, j'ai gagné. Écoutez, mademoiselle, je pars. Mais je veux que vous disiez à votre pseudo-docteur qu'il va avoir de mes nouvelles. 1 an d'attente pour jouer au Monopoly. Je trouve ça tout simplement scandaleux. Le docteur entend parler de moi, croyez-moi. J'ai beau détester les virus, je vais lui pourrir son site internet. Ah, le grand docteur Stern, le meilleur, la sommité, le spécialiste. Eh bien, vous lui direz de ma part que c'est un charlatan. Voilà. Je suis vraiment désolée. Oui, c'est bon, on connaît la chanson. Son. Bon ben, moi je vais y aller, hein. Mais moi aussi. Bon ben, moi je vais y aller, hein.
Ah bon, mais pourquoi? Pas parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire peur. Pas parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bon, ben moi aussi, hein. Ah bon? Bon, si tout le monde se casse... Fred, vous faites quoi, vous? Je ne sais plus. Hein. Vous m'aviez presque tous convaincus de participer à une thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va, je... Eh ben non, moi je vais rester, finalement, tiens. Ah? Bah ouais. Ouais, je suis curieux de savoir ce qu'il va me dire, là, le grand spécialiste, là. Et s'il n'est pas assez convaincant, il n'est pas à l'abri de se manger un bourre-pif, le grand mandarin, tiens. Ah bah dans ce cas, je reste avec vous. Ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Ça, c'est gentil, ça. Hey. Bob, simple curiosité. Avant que le groupe ne se dissolve, vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment exactement? Bah, c'est simple, au départ tout le monde se présente, expose son problème, ensuite on travaille sur chacun, par plage. Par plage? Bah oui, pendant quelques minutes, tout le groupe se focalise sur une personne. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là là, les tournantes, quelle horreur! Alors je vous dis pas toutes les maladies qu'on peut attraper là-dedans. Attendez. Mais si j'ai bien compris, là, dans l'histoire, là, le Toubib, c'est le groupe. Absolument, le docteur oriente, mais tout le monde participe. Ah oui, d'accord. Eh bien, si on essayait. Pardon, mais vous plaisantez? Ben non, puisque le Toubib nous a plantés. Et maintenant qu'on sait comment ça se passe, pourquoi on n'essaierait pas de le faire? Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si tout le monde participe, le docteur est là pour guider ses patients. Un peu... comme le berger, là, pour guider ses brebis. Eh ben, bonjour les métaphores de bigote. Oh, Vincent, pas d'agressivité. Chacun réagit dans son style. Zab! Ça, c'est vrai, hein. Un groupe qui se tire dans les pattes, en général, ça le fait pas trop. Entièrement d'accord. Si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, ce n'est pas la peine de demander un petit peu de tolérance aux autres. Vous avez 100 fois raison, Blanche. Bon, Bob, on le fait? Après tout, moi je suis d'accord, on n'a rien à perdre. Hein. Bien parlé, les petits. Fred, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, tout cela me stresse au plus haut point, mais je suis d'accord pour essayer avec vous. Ah. Pute de vierge! Merci. Ah, parce que vous le remerciez quand il a su de la vierge, vous. Blanche, entre deux nettoyages de printemps, est-ce qu'on peut espérer vous compter parmi nous? Je sais pas. Pour être franche, j'y crois pas trop. Et moi, pas du tout. Blanche! Lily! Oui, oui. Vous le faites, vous? Ben, si vous le faites, moi, je le fais. Allez, Blanche, t'as plus de courage, d'autant plus qu'on se connaît, maintenant on est entre nous. Mais oui, pour une fois, vous pouvez pas vous en laver les mains. Et puis réfléchissez, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour le groupe. Oh, le chantage affectif. Bon, d'accord. Je veux bien essayer. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Allez. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. Oh, la vache! Inutile d'employer la flatterie. Je ne me prêterai pas à ce simulacre, à quoi, c'est tout. Oh, la pute! Oh non, Fred, on n'est pas là pour juger. Non, là, si tu fais con, c'est pas comme ça que tu vas la convaincre. Ni comme ça, ni autrement. Quand je dis non, c'est rarement oui. Et pourquoi, bordel, pourquoi? Mais pour ça, justement. Entre Fred, qui ne fait pas exprès, et vous, qu'en rajoutez à loisir, eh bien, on se voirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. Si ce n'est que ça, peut-être si Vincent fait un effort de vocabulaire, ferait peut-être aussi l'effort de rester avec nous, Marie. Non, mais il n'y a pas que ça. J'ai un train à prendre et je dois partir impérativement dans une demi-heure, dernier quart. Attendez, ne me dites pas que vous êtes aussi sidérodromophobe. Est-ce que c'est encore que ça? Sidérodromophobe. Ah, voilà.
peur exagérée de rater son train. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Hein. Oh. Et comment on appelle quelqu'un qui a peur de rater son avion? Ah, parce que alors ça, moi, dans mon bahut, j'en ai 10 par jour. Hein. Peur exagérée de rater son avion, aérodromophobie. Et comment on appelle quelqu'un qui a raté ses études? Un taxi. Merci, c'est sympa. Mais non, je déconne. Eh, hey, mets-toi ça dans le cul. Eh ben merci, Fred. Avec celui de Marie, ça m'en fera deux. Bon, sinon, Bob, tes séances de groupe, là, ça a duré combien de temps? Environ une heure. Ah non, vous voyez, une heure. Même avec la meilleure volonté du monde, ça m'est rigoureusement impossible, hein, désolé. Marie. Bob, tu as bien dit qu'au départ, tout le groupe se présentait et se posait son problème, c'est ça? Oui, c'était le rituel de base avant de commencer le travail. Ah, et ce rituel durait combien de temps à la louche? Je dirais la moitié du temps. Donc seule la deuxième demi-heure était consacrée à ce fameux boulot, là? Oui, Vincent. Eh ben parfait. Eh ben oui, comme chez nous, les présentations sont déjà faites et que chacun connaît le problème de l'autre, on peut directement attaquer le boulot et dans 30 minutes, on est tous partis. Ça vous va comme ça? Non mais j'ai un train à prendre et je ne peux absolument pas le rater. Marie, si on commence maintenant à raison de 3 minutes, dans 18 minutes, on a terminé. Vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Parce que vous croyez qu'on va tous régler les problèmes que l'on traîne depuis des années en 3 petites minutes? Franchement, je ne sais pas, mais au moins on aura essayé. Non, mais écoutez, c'est pas parce que je me fais prêter, mais... Ah, mais... Ben alors dites oui, hein? Dites oui. Je ne sais plus, moi. Fred, qu'en pensez-vous? Cela me stresse au plus haut point, mais maintenant je vous connais assez suffisamment pour savoir que vous n'allez pas me juger. Et moi pareil. Marie, 3 petites minutes, le temps d'un œuf à la coque. Bon, d'accord, je cède. Ah. Mais Dieu m'est témoin que... Eh oui, Dieu m'est témoin. Et Jéhovah aussi. Mais on va faire quoi pendant ces 3 minutes? Eh ben on va prier. C'est vrai? Et non, je déconne. Non, Bob, qu'est-ce qu'on va faire? Bah c'est simple, pendant 3 minutes, tout le groupe va se focaliser sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Pour moi, c'est du charabia, hein, tout bien, ça. Bien. Bambino. Claire, chacun doit essayer de combattre son toc devant les autres, c'est ça? Voilà, c'est le principe. On le fait. Allez, chacun prend sa chaise. Ah, comment on se met? Ah, dans le cercle? Non. 3 de chaque côté. Non. Symétrique. 1. Après tout, stressé pour tresser, autant se jeter à l'eau. Oh mon dos! Qu'est-ce que je dois faire? Bon, pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucun gros mot et vous ne devez faire aucun geste obscène. Mettez-vous là. Je prends ma chaise. Oui. Vous savez, à mon âge, je ne crois plus trop au miracle, mais si c'est avec vous, je suis d'accord pour essayer. Pas la peine. Top chrono.
ton cul. Bravo, ça commence très fort. Pardon, c'est le stress. On sait, Fred, on sait. Allez, courage, Fred, on est tous avec vous. Tu t'es con. Bon, eh ben, je crois que la démonstration tourne court, hein. D'abord, c'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité, Marie. Mais oui, arrêtez d'envoyer des mauvaises vibrations dans le groupe, Marie. Vibration, vibration. En clair, je crois que nous n'aurions pas dû commencer par moi. Ça ne va pas être bon pour le moral du groupe. Mais non, mais non. Fred, là, vous sentez que vous filtrez certaines grossièretés ou pas? Puis ton cul! Ah bah oui, là, on sent bien le filtre, hein. C'est normal. Plus je suis tendu, plus je crise. Vous savez, depuis le temps, je commence à comprendre la mécanique. Nick. Il reste combien de temps? 1 minute 45. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Ouvre ton cul, oui! Pardon, Blanche. Je vous en prie, Fred. C'est normal. Si le docteur était là, il nous trouverait grotesque. Oui, bah le docteur, il attend sa passerelle et nous, on se démerde comme on peut pour s'en sortir, ok? Allez, dernière minute. Bouffe ta merde et bois ta pisse. Qu'est-ce que vous pas entendre? Accrochez-vous, Fred, essayez de vous concentrer. De tomates. Ah, ah, ça c'est bien ça, hein. Ça c'est bien ça. Hein. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Encore? Mais ça n'en finit plus tout ça. Oh, toi ta gueule. Oh, merci. Sac à merde. Sac à merde. Ça c'était la forêt, la pièce montée. Je suis navrée. Mais si je commence à m'excuser, je vais encore me faire sermonner par Vincent, alors... Je commence à avoir l'habitude. Attention, 5, 4, 3. Ça fait aller pas vite. Et un petit dernier pour confirmer le fiasco. Je vous avais prévenu, hein. Avec moi, les dés sont pipés. Ah là, y'a rien, là. Oh, on enchaîne. Vous croyez que cet échec ne vous suffit pas? Attendez, Marie, faut pas s'attendre à des guérisons spectaculaires non plus. Ah oui, il a raison, hein. On n'est pas à Lourdes. Allez. Allez, à moi. Ok. Je ne dois rien compter pendant 3 minutes. Top chrono. Non mais faut que vous me parliez aussi, hein. Ah, et vous, bah oui, sinon ça peut durer des plombes. Et vous voulez qu'on vous dise quoi? Bah je sais pas moi, que des trucs qui vont me forcer à compter, sauf que moi, je vais résister. 12 fois 12, 144. Bravo! Et ça, c'est ce qui s'appelle résister! Hein. Ouais, non, mais c'est sorti tout seul! Ah, bah si vous me piquez des répliques maintenant! Ouais, attendez, je me concentre, allez-y! Allez-y, là, allez-y, je suis prêt là! Je vais vous montrer qui c'est Raoul, moi, allez-y! Marignan! Rien à foutre! Déclaration des droits de l'homme! J'étais pas né! Eure-et-Loire! J'ai jamais foutu les pieds dans ce département de merde! Oh, bah alors là, vous m'épatez, Vincent! Ah non, mais au fond, on s'en fait tout un fromage, mais au fond, c'est pas si difficile. Boeing, Boeing. 747. Yes. Eh merde. Putain, faut pas baisser la garde avec vous, hein. Bon, allez-y, vous m'arrêtez pas trois fois, là. La prise de la Bastille. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens. Sans déconner. Pourquoi pas les nains Blanche-Neige, pas ontillés, là. Les péchés capitaux. Par les travaux d'Hercule divisé par les Dalton. 7 x 12 divisé par 4, 21, fastoche. Je ne voulais pas vous piéger. Oh non, mais c'est de bonne guerre, c'est moi qui vous ai demandé. Oh. Peugeot 404. Oh non, ben ouais, si vous me branchez sur les bagnoles, là je suis mort. Victor Hugo 1802, 1885, non mais les rues de Paris c'est pareil, c'est des automatismes, je suis taxi. Aspégis 1000, viens 500, 3-14-116, les salopards 12, les mercenaires 7, les petits collègues 3, tap, 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 tap. Ah, bon.
C'est Marie qui avait raison, c'est pas une thérapie, là, c'est une jingle. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? T'as fait des efforts, on était tous avec toi. Moi, j'ai trouvé ça fort. Fort, moi, la calculette vivante. Je suis même pas capable de me concentrer plus de 10 secondes. Et puis en plus, je me fais niquer par les trois petits cochons, là. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait, là? On passe au suivant, et Fred et moi, on fait une partie d'échecs, là. On dit au revoir à tout le monde. Et moi, j'ai pas le droit à ma thérapie, moi? Non, mais on s'en fout, là, c'est de la merde. Mais attends, papa, c'est pas parce que ça va pas marcher pour toi que ça va pas marcher pour les autres. Oui, même si ça ne devait marcher que pour un seul d'entre nous, ben, ça vaut le coup de continuer. Oui, même si ça ne devait marcher que pour un seul d'entre nous, ben, ça vaut le coup de continuer. Ah, oh, ben, excusez-moi, mais... Je voulais pas casser l'ambiance, mais j'y crois plus une seule seconde, mais bon. Si vous voulez continuer, on continue, hein. Je voudrais pas vous décourager, moi. Eh ben, sûrement bien imité. Bon, à qui tour? Au couillon qui le demande. Ah non, c'est à moi. Pardon. Non. Vous ne devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ah bah oui, sinon ce serait trop facile. Ni ouvrir la fenêtre. Marie a raison, ni ouvrir la fenêtre. Et hop, assis, là. Top chrono. Oh, putain. Je sais pas ce que j'ai fait, moi, mais j'ai les mains crades, moi. Oh, moi aussi. Ah, moi aussi. Ah, j'ai les ongles. C'est Marie qui avait raison, hein. Ça sert à rien, c'est nul. Ah non, mais moi je souhaite qu'on continue, hein. Ah bon, vous allez virer votre cutie, vous? Non, mais tout d'un coup, c'est rapide. Et puis si ça peut aider quelqu'un... Elle va pas, elle, en tout cas. Hein. J'y vais. Mets-toi ça dans le cul. Triste quand même, la pauvre. Ça sert à rien, faut pas. N'empêche, elle doit être minée quand même. Non, mais ça va, Lily s'en occupe. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles font? Oh non! Mais si. Mais non, les voilà. Ah ben c'est parce qu'elles ont terminé. Ça va, Blanche? Oui, ça va. Sauf que j'ai craqué tout de suite. C'est pas grave. On y retourne. Ah mais je vous en supplie, hein. Ne me dites plus des choses pareilles. Mais acceptez tout de même que je vous touche les mains. Oh non! Si, d'autant que les miennes sont très propres. Oh non, non! Ah, si. Moi aussi. Oh non, mais alors elle, c'est pire que moi, elle peut même pas se concentrer 10 secondes. Ah non, mais attention, les phobies, c'est pas facile non plus, hein. Je sais ce que c'est, moi, mon histoire de ligne, c'est pareil, alors je la comprends. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On passe au suivant? Non, mais je crois qu'il faut lui donner une dernière chance. Oh, oui, la pauvre. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Et si on faisait juste ça? Ah oui, pas bête. Très bonne idée. Bah, excellente idée, mais... Ouais. Juste ça. Bah oui, allez, tous ensemble, allez. Oh ah. Oh putain, alors là, ça tourne carrément à la séance d'humiliation. Ah non, je ne crois pas. Pas avec nous, en tout cas. Ouais, bon, on enchaîne quand même. Hein. Oui. Allez, à vous, Marie. Mais on attend qu'elle revienne quand même. Mais bien sûr. Bon, de toute façon, quand elle y va 3 fois de suite, la troisième est beaucoup plus rapide. Combien de secondes? 23 en moyenne. Elle devrait réapparaître dans... 5,
4, 3. Waouh! Mais c'est vrai qu'il y a un chrono là-dedans, ça fait des tas MP3 aussi ou pas? Et ça, et grippin aussi, connard! À vous, Marie! À vous, Marie! Je crains le pire! Je vous la mets! La chaise! Oh! Non, non. Et pas qu'on fesse. Hein. Et quand j'y fesse... Que dois-je faire? Bon, pendant 3 minutes, vous ne devez rien vérifier. Sauf ma vie. Allez-y, vous signez, hein. Allez-y, vous signez, hein. Lily a raison, hein, le tricot, la paire Botton. Ah oui. Allez, top chrono. Au fait, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Là. Oui, 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 je les ai. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Sûr, sûr. Sûr, sûr. Et vous avez vérifié? Des tonnes de fois. Ouais, mais des fois on croit qu'on a vérifié et puis à la finale les clés sont pas dans le sac. Soit on a confondu avec un autre trousseau. Oui, soit on a cru les entendre, mais c'était autre chose. Une barrette ou des pièces de monnaie. Une barrette ou des pièces de monnaie. Et, oui. Et sans clé, on peut pas ouvrir la porte de l'appartement. Donc on peut pas fermer. Le gaz. L'électricité. L'eau. Qui c'est cool, qui c'est cool. Dans l'appartement, tu vas exploser. Oh putain, je jouis. Oh mais non, je ne pas, vous ne connaissez rien. Elle fait une crise de catalepsie. Oh oui, merde, elle s'étouffe. Oh la fiasse, quelle merde. Bob, un verre d'eau pour Marie. Blanche, ouvre la fenêtre. C'est vrai, j'ai le droit. Mais vite, bordel, elle respire à fond. Il faut lui dégrafer son corsage. Oh, bah ça, faites-le, parce que si c'est moi, ça va l'achever. Ça va, ça va. Vous êtes encore à 116. Mais allez-y, respirez à fond, ça va redescendre. Non, mais ça va. C'est pas la première fois que ça me le fait. D'après le docteur, c'est une crise de spasmophilie. Mais c'est pas bien grave. Pas bien grave, pas bien grave. La crise de spasmophilie, ça peut amener à l'arrêt cardiaque. Oh. Ah non, mais c'est vrai, elle a raison. Hein. Tout à l'heure, quand vos yeux se sont révulsés, on aurait cru le retour des morts vivants. Oh, non, j'ai bien cru que vous alliez clamser. Mais ça vous aurait fait plaisir, hein? Mais pas du tout. Ça va pas à la tête, non? 102. Non, non, moi, au contraire de vous, moi, je vous aime bien. Et puis, vous faites partie du groupe et le groupe, on n'y touche pas. 88, c'est bien, le compteur redescend. Allez. Ça va, Marie, vous récupérez. Ça va aller. Allez. Ça va aller. Voilà, en ce qui me concerne, l'expérience est terminée. Allez. Tout va continuer sans moi. Au suivant. Raté. Bon, c'est à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va vous poser des questions plus simples et vous devrez répondre qu'en ne disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. C'est parti. 3 minutes, hein. 3 minutes, hein. Top chrono. Vous avez quel âge? 22. Là, vous avez fait un effort pour ne pas répéter. Ah bah oui, oui, hein. Ah bah oui, oui, hein. Et vous habitez où? À Montrouge.
m'empêcher de tout répéter. Bah non, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Bah non, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez peur que ça vous tue. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oh. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oh la pauvre enfant! Attention! Là, c'est bien. Il faut que ça sorte. Allez, on est tous avec vous. Merci, merci. Tu peux essayer quelque chose? Va chier, connard. Merci, frère, c'est encourageant. Philippe, répétez après moi. Bora, Bora. Bora, Bora. Eh ben oui. Miou, miou. Miou, miou. C'est les lentilles. Ça pique ces conneries-là. Les lentilles, ça fait péter. Ah bah aussi, hein, c'est vrai, hein, les lentilles, ça fait péter. Écoutez, Bob, c'est pas pour vous décourager, mais il faut bien avouer que depuis le début, on a tous échoué lamentablement. Hein. Non mais oh, elle parlait pour vous, hein. Moi j'ai quand même tenu 10 secondes, quand même. Oh, 10 secondes, la belle affaire. Et en 10 secondes, la lumière peut parcourir quelle distance? 2 296 760 km. Et voilà, encore niqué. Ah oui, mais non, oh, ça compte pas là, c'est pas mon tour. Ah ouais, non. Et je vais te dire, niqué pour niqué, je préfère me faire avoir avec un calcul comme celui-là plutôt que par les trois petits cochons. Alors ça, c'est quand même trop la haine, 3. Vous rendez compte, 3, la honte. Ah ouais, c'est marrant, hein. C'est toujours sur moi que le groupe s'acharne, quoi. Hein? Ah, vous avez trouvé une belle tête de turc, moi, je vous le dis. Hein. Vous avez de la chance que je sois pas susceptible. Et vous savez ce qui serait formidable, là, maintenant? Ce serait que Bob réussisse, là, on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh bien, pas du tout. Franchement, je trouverais ça génial sur le plan humain que 5 personnes qui ne se connaissaient pas il y a 2 heures en aident une autre à se surpasser et tordre le cou une bonne fois pour toutes à ces saloperies de Bob.
franchement. Oh putain. Si Bob réussissait là maintenant devant nous, eh bien je ne serais plus triste d'avoir raté. Mais surtout, je serais fière de l'avoir aidé à gagner cette bataille contre lui. Car non seulement cela lui redonnerait confiance en lui, mais cela redonnerait l'espoir au groupe tout entier. Hé, hey, vous savez ce qui serait formidable là maintenant? Oh putain, deuxième service! Oui, je sais ce que vous allez dire, vous assurez à tout ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Ce qu'elle a dit? Eh bien, pas du tout! C'était tellement joli! Franchement, je trouverais ça génial! Oui, oui, c'était magnifique! Pas il y a deux heures, on le cri du cœur! Vraiment! Prendre les coups une bonne fois par ouais, c'était super, c'est vrai, mais en attendant, ça me fout la pression grave là! Continuez, mon petit, moi, on va vous écouter! C'est drôle, hein, je sais pas, vous avez réussi à gagner la bataille! Vous parlez dessus! Non seulement! Mais là, on sait déjà ce qu'elle va dire! Il y a moins de suspense sur la deuxième fois! C'est l'heure de donner des sports en groupe tout entier! Et une salope, on dira! Merci, ça nous manquait! Lily, merci pour les encouragements, franchement, ça me va droit au cœur. Mais si je rate, faudra pas m'en vouloir. T'inquiète pas. Allez, bonne chance! Et allons-y, c'est bisous à tous les étages maintenant! Hein? Jalouse! Oh, mais non! Oh, oh ah Et attention, hein, méfiez-vous, hein, je comprends très bien le latin. Hein. Ça veut dire regarde en ton rétro, sale pétasse. J'y vais. Non, mais vous inquiétez pas pour votre train, je gère. Quant à Blanche, elle va réapparaître dans très exactement 25 secondes. Juste pour moi, le temps de briefer Bob. Bonjour, monsieur Bob. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à marcher sur les lignes. Mais attention, j'ai bien dit toutes les lignes. Les petites, les grandes, les droites, les obliques, les vertes, les pas mûres. Toutefois, si vous-même ou l'un de vos collaborateurs était pris, nos services n'iraient avoir une connaissance de vos agissements. Attention, cette conversation s'auto-détruira dans très exactement 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Mais c'est vrai, on rigolait, mais c'était pas sur vous, hein, promis. Non. Bob doit marcher sur les lignes. Ouais. Ah oui, je me doutais bien que ce serait ça, son gage. Ah non, mais c'est pas un gage, là, oh. Ah non, là, c'est sérieux, là. Là, ça rigole plus, là, je vais te dire. Non. Pas vrai, fils? Oh, putain, la pression, quand même. Allez, Bob, je suis sûr que tu vas y arriver. Allez, fils. Top chrono. On est tous avec toi. Allez, Bob. Allez, Bob. Vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Pour nous. Pour le groupe, pour le groupe, pour Jésus. Stop. Car toujours. Oh, pas de publicité clandestine pendant le travail, hein. Lancez-vous, vous verrez bien. Non, je peux pas, c'est trop dur. Oh, mais tu l'as bien fait pour venir t'asseoir. Danse, mais tente quelque chose, bordel. Non, je peux pas, je vous dis, je suis complètement bloqué. Oh, mais juste une ligne. Une seule. Allez, Bob, on va faire plaisir. Okay. J'aimerais tellement... Allez, Bob, pour me faire plaisir. Ok, mais une petite, hein. Et just do it, comme disent les jeunes. Yes, we can, comme dirait... Je sais plus. Lily, si je le fais, j'aurai le droit à une autre bise? De même. Ok. J'y vais.
tu veux, fils, hein, nous on est prêts. Oh, quoi, je vais encore aller. Allez, bon, 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 allez, bon. Non, 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 je peux pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais si je te poussais. Non, non, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Non, 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 je prends. Eh ben pourquoi pas, il n'y arrive pas tout seul, on peut peut-être l'aider. Non, 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 tu fais pas ça, vraiment. Faut que ça vienne de lui. Bien sûr. Allez, encourage encore. Allez, encourage encore. Allez, go, 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 laissez-moi sortir.
Je m'excuse. Mieux que ça, mieux que ça. Je suis désolé, Lily. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est cette séance-là qui m'a mis les nerfs. C'était pas une raison pour vous venger sur nous. Ah, mais désolé, les enfants, j'ai été très con sur ce coup-là. Oui, con comme un taxi. Ça va, hein, la charité chrétienne, elle est où, là? Dans ton cul! Il y a un problème. Oh non. Non, 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 non. Mais j'ai entendu des coups. Non, mais c'est eux, là. J'aurais tellement voulu que tu y arrives, là. Ah bah moi aussi, hein. J'aurais même mis un billet là-dessus, tiens. Ah bah moi aussi, hein. Et un gros, en plus. Toi aussi. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir encouragé. Ah, oh, ça, c'est sûr. On a tous donné de la voix, hein. Bob. Oui. On vous a encouragé combien de fois? Franchement, je n'ai aucune idée. Et Vincent. Oui. On l'a encouragé combien de fois? Chacun. En tout. En tout. Enfin, à la louche. À la louche. Je sais pas. Et chacun? Ah, chacun? Oui, alors, chacun. Non, je sais pas non plus. Alors, et seulement vous? Seulement moi? Oui. Eh ben non. Même ça. Alors, comment ça se fait? Bah, ça se fait que j'ai pas compté. Hein? Pardon? J'ai pas compté. Vous, Vincent, vous l'avez pas compté? Eh ben non, j'ai pas pensé. Mais je m'excuse. Mais c'est génial. Oui. Quoi que je m'excuse. Mais non! Vous n'y avez pas compté venant de vous. C'est surprenant quand même. Oui, comment ça se fait? Vous n'avez pas compté tous nos encouragements, vous qui comptez absolument tout? Je sais pas, j'ai pas pensé. J'étais focalisé sur le petit, là. La seule chose qui m'importe, c'est qu'il marche sur une de ces putains de lignes. Le reste... Et si c'était ça, la solution? Quoi? Je ne sais pas, moi, ne plus penser à soi, s'oublier. Pourquoi vous dites ça? Bah, vous n'avez rien remarqué tout à l'heure. Non, non, quoi? Personne. Non? Bah non, il fallait remarquer quoi? Bah oui, quoi? Bah non, il fallait remarquer quoi? Tout à l'heure, quand Bob a couru pour aller chercher un verre pour Marie qui s'est étouffée. Eh bien, Bob a marché sur les lignes. Oh, mais oui, c'est vrai. Oh, putain. Et pas qu'un peu, à la louche, il y a entre 16 et 18. Mais alors, ça veut dire que Bob a réussi? Mais alors, ça veut dire que Bob a réussi? Bah oui. Pas au moment où on l'attendait, mais il a vaincu les lignes, c'est un fait. Ah oui, non, mais attendez, ça compte, ça, quand c'est pendant le tour d'un autre? Ouais, pourquoi ça compterait pas? Ouais, pourquoi ça compterait pas? Le principal, c'est le résultat. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, moi aussi, j'ai réussi. Bah oui, puisque j'ai pas compté vos encouragements. Alors qu'il y en avait au moins 125, facile. Finalement... 2/6, c'est pas mal, hein? C'est déjà plus le fiasco annoncé. Eh oui, ah oui, et annoncé par qui déjà? Oui, bon, c'est vrai, je n'y croyais pas. Mais force est de constater que 2, c'est déjà très bien. 2, c'est bien, mais 3, c'est mieux. 2, c'est bien, mais 3, c'est mieux. Pourquoi 3, il y en a un troisième? Non, pas un troisième, une troisième. Non, pas un troisième, une troisième. Mais c'est qui? Mais c'est vous, Blanche. Mais c'est vous, Blanche. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté, vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ah bon, vous êtes sûre? Mais tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté, vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Alors là, si on décale tout d'une phrase, on est mort. Tout à fait sûr, tout à fait sûr. Qu'est-ce que je disais? Et pourquoi vous ne vous êtes pas lavé les mains ce coup-ci? Eh ben, parce qu'elle n'y a pas pensé, parce qu'elle était focalisée sur les laits. Voilà. Attendez, c'est énorme là ce qui se passe. On pensait que tout le monde avait raté, mais finalement c'est tout le contraire. Ah oh, ben ça, hein. Dès qu'on arrête de se regarder le nombril. Ah. Est-ce que vous dites nombril, vous? Bah oui. Ah oui. Mais vous avez déjà pris un pénis dans votre pubis? Voilà. On vous donne ça et vous prenez ça, hein. Oh. Un peu plus quand même. Oh. Non, mais c'est vrai que d'habitude, quand je touche quelqu'un ou quelqu'un me touche, après, je vais me laver les mains. Et là, bizarrement, je ne
l'ai pas fait et ça m'a pas effleuré, je ne sais pas pourquoi. Ah mais moi je sais. C'est qu'en prenant la main de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. Et l'amitié, ce n'est pas ça. Oh putain, c'est beau. On dirait du pagnol. Eh, n'empêche qu'on est quand même à 50% de réussite. Hein. Et on oublie peut-être quelqu'un. Hein, ou quelqu'une. Sûrement, sûrement. Oh, mais c'est génial, c'est séance de rattrapage. À qui tout ? Continue sans moi, je reviens. Et oh mon train, hein ? Oh mais non, mais ça bosse bien là. C'est pas grave, si vous ratez celui-là, vous prendrez le prochain, puis c'est tout. Hein. Oh ben le note bonne, lui. Et pourquoi pas celui d'après, pendant que vous y êtes ? Et d'abord, c'est quel train, quel horaire, quel gain ? Paris-Melun, 18h23, gare de Lyon. Gare de Lyon ? C'est pas vrai. Si. Eh, c'est ma gare, ça. Fu, c'est du belge. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Quoi, quoi? J'ai trouvé une autre personne qui a oublié son top pendant une seconde. Ah, et c'est qui? C'est Marie. Ah oui, c'est moi. Oh, merci, mon Dieu, quel bonheur. Et comme ça. Eh bien, au tout début, Fred, sans faire esprit, vous avez traité Marie de sac à merde. Ah oui, je me souviens, c'était au début de l'exercice, c'est vrai. C'est bien possible, et alors? Eh bien, pas vérifier son sac. Hein. Et pourquoi elle aurait dû le faire? Et pourquoi elle aurait dû le faire? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle se précipite sur le sien pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. Tiens la preuve. Non, mais là, non, non, vérifie. Je les ai. Ah. Marie, est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à ce moment précis? Je crois que j'étais tellement outrée, je n'y ai même pas pensé. Bon, en admettant que Marie a elle aussi combattu son toc, il ne reste plus que deux personnes, vous Fred et Lily. Oui, mais moi je vous l'ai dit, je ne compte pas. Dans ce cas, essayons de voir où et quand Lily a fait un effort. Ah non, mais moi depuis le début, j'ai absolument tout répété, hein. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Hein. Attends, tu pars battu, là. Il l'aime, ça, Lily. Ouais, oh, parce que tu peux être lourdeau, des fois. Non, mais il n'y a pas de honte à être attiré par quelqu'un. Hein. Mais j'ai pas honte. D'ailleurs, si Lily a envie qu'on se revoie, mon numéro de téléphone est le 06 12 80 18 23. Pour le moment, c'est pas le propos. 06 12 80 18 23. 06 12 80 18 23. Eh ben... C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein. Elle a même répété deux fois pour être sûre de pas l'oublier. Vous allez voir qu'on va les marier, ces deux-là. Ça, c'est pas sûr. Hein. Si ça se trouve, ils vont vivre dans le péché. Eh, l'affaire est dans le sac. Lily, tu es sûre que depuis que t'es avec nous, tu as absolument tout répété. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout, sauf deux lettres. Avec quelle lettre? Juste une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Pi? Mais c'était quand ça? Pi? Mais c'était quand ça? Ah oui, c'était pendant le tour de Vincent, même qu'il a dit 3-14-116. Ah ouais, 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 c'est vrai. Je vous ai épargné toute la tartine après la virgule. Hein. De toute façon, c'est sans fin. Hein. Ouais, mais enfin, deux lettres, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais enfin, deux lettres, ça fait pas beaucoup quand même, hein. Ok. Mais ça t'est arrivé combien de fois depuis 10 ans? À la louche? Jamais. À la louche? Jamais. Alors, ces deux lettres sont très précieuses, tu comprends ça? Hé, hey, si tu comprends, dis-moi juste oui, une fois. Une seule fois. Oui. Pas fait mieux. Ouais. Et franchement, plus sûr que Stern n'aurait pas fait mieux. Ouais.
repartir avec un bon espoir de régler son problème. Ouais. Carton rouge. Hop. Oui, tout le monde va régler son problème, mais... sauf vous. Je te bouffe le cul. Non, mais je suis sûre que comme nous, à un moment donné, vous avez réussi à vous contrôler. Hein? Mais oui, elle a raison, elle a raison. Oui, oui. Et quand? Je sais pas, mais on peut prendre 2 secondes pour gamberger, non hein? 2 secondes, là, parce qu'on est chaud, chaud, hein. Allez, oh. Allez. Il en a moins pour 1 heure minimum. Oh. 1 heure, impossible, moi j'ai un train. Vous l'avez raté, votre train. Comment ça, j'ai raté ce train? Eh oui, et puis depuis 10 bonnes minutes en plus. Mais puis vous aviez dit, vous me disiez. Oh. Eh ben, je vous le dis, vous l'avez loupé. Non, vous êtes hors. Eh oui, ben, super sympa, je sais. Vous allez où? Je vous l'ai dit tout à l'heure, à Melun. Oula, Melun, oula. Eh, c'est la banlieue, ça, ça va douiller grave, hein? Allez, je suis pas chien, je vous ramène jusqu'à votre domicile avec mon automobile. Je vais pas prendre des taxis. Non, mais je mettrai pas le compteur. C'est vrai? Bah oui. Ah bah c'est gentil ça. Vous allez voir qu'ils vont finir ensemble ces deux-là. Mais non, c'est juste un coup comme ça. On peut faire... Mais non, je déconne. Vous n'attendez pas le docteur? Ah non, non, celui-là je l'ai assez attendu comme ça pour aujourd'hui. Mais vous pourrez lui faire une... une communication pour moi. Oui? Eh bien, dites-lui que je le remercie de ne pas être venu. Parce que franchement, je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec lui. Mais ça m'étonnerait que ce soit aussi fort que ce qu'on a fait sans lui. Bravo! Ne parlez pas. Dites-lui aussi que j'étais contre au départ. Mais tout à fait pour à l'arrivée. Très bien, je dirais. Eh bien, moi, vous lui direz triple fion! Non, ne lui dites pas, je lui dirai moi-même. Ah bon? Est-ce que vous allez l'attendre? N'oubliez pas que je suis à la retraite. J'ai tout mon temps. Et je ne renonce pas à ma petite consultation privée pour voir ce que le grand docteur Stern va pouvoir me dire. Mais je ne doute pas qu'il soit bien moins fort que vous. Il faut arrêter quelque chose? Ah non, bien sûr que non. Encore heureux? Encore heureux? Les enfants, je vous jette aussi. Profitez-en, aujourd'hui c'est open bar. Non, pas la peine. Bob me ramène avec son scooter. Okay. Non, pas la peine. Bob me ramène avec son scooter. Allez, au revoir Lily. Ah non, non, moi c'est 4. Ah non, non, moi c'est 4. Blanche, je vous dépose aussi. Non, j'ai ma voiture, merci. Ah, c'est quoi, une ambulance? Fred, au revoir. Fils de pute! Merci, Fred, c'est sympa. Moi non plus, je vous oublierai pas. Tenez, voici ma carte. Si un jour vous avez besoin d'un taxi, surtout, m'appelez pas parce que je serai sans doute occupé. Par contre, si un jour vous avez besoin de parler à quelqu'un, un ami... c'est le même numéro. Merci, Vincent. Merci. Tiens, toi aussi. Toi aussi, je t'en donne une. Dans ma poche. Hein? Fred, je suis ravie d'avoir fait votre reconnaissance. Vraiment. Moi aussi, charmante. Vraiment. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir.
Vraiment. Moi aussi, charmant Philippe. Vraiment. Ok, j'arrive. Pas de problème, pas. Tiens. Toi, je t'en donne deux. Fred, on ne se connaissait pas ce matin, mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Pareil pour vous, Bob. Ah, blanche. Papa, bisous. Je voulais vous dire, Fred, c'est pas parce qu'on s'en est pas aperçu que vous n'avez pas réussi à vaincre votre toc à un moment donné. Merci, Blanche. Ça me touche beaucoup. Pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Au revoir. 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 Thank you.
Rappelez-vous que notre meilleure publicité, c'est vous !